Hey, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Ça va pas mal, de toute façon, comme toujours, hein. Faut garder le moral, c'est essentiel. En plus, là aujourd'hui, contrairement à hier, il fait à peu près beau, on a un petit ciel bleu, on a pas beaucoup de soleil, là c'est un petit peu sombre quand même, mais bon, il pleut pas, et c'est pas trop trop gris, donc ça c'est assez cool. Et aujourd'hui, ben, on est dans mon quartier, on est vraiment juste à côté de chez moi, à côté de la place Gambetta, on est place Émile Landrin. Vous regarderez sur Google Maps, ça sera plus simple. Mais concrètement, on est à 50 mètres de la place Gambetta. C'est une petite placette sympa. Je suis dessus, là, vous voyez. Les rues autour, sens unique, c'est assez peu passant, donc c'est très calme. De toute façon, l'appartement qu'on va aller voir, il est sur la cour intérieure. Donc il n'y a pas un bruit. Pas un bruit. L'appartement, il est au 1 place Émile Landrin. C'est un deux pièces, meublé. Voilà pour les amateurs du meublé. Il est au quatrième étage. Ouais. Vous entendez déjà me dire, oh là là, c'est encore haut, il y a un ascenseur. Il est estampillé 3 personnes, 225 kilos. Je précise parce que ça m'a fait rigoler. Je rentre dedans de profil, pas de face. Déjà, je passe pas en largeur, ça c'est clair. Et une fois que je suis dedans, à côté de moi, c'est un mini pouce. Non, concrètement, on rentre à deux en serrant. À trois, franchement, je vois pas comment. De toute façon, 225 kilos, j'en fais déjà 115, donc il reste plus beaucoup de place pour les deux suivants, 2 x 50 kilos. Bon, mais bon, en gros, vous rentrez avec une petite valise, une valise, en serrant un petit peu, ça passe. Mais bon, il a le mérite d'être là, c'est quand même vachement cool. Comme d'habitude, cette vidéo-là que vous êtes en train de regarder, elle est en exclusivité, ou en tout cas en avant-première sur YouTube. Du coup, si vous la voyez, après avoir vu l'annonce sur Le Bon Coin, Se Loger, enfin, quoi que Se Bon Coin et Se Loger, je travaille plus trop avec, donc sur Bien Ici, sur Le Figaro, sur l'application Jinka, que j'apprécie beaucoup, bah c'est peut-être déjà trop tard. Parce qu'il y a déjà des personnes qui l'auront vu, cette vidéo, qui auront peut-être déjà envoyé leur dossier, qui sont peut-être même déjà venus visiter. Et donc peut-être que l'appartement sera déjà loué. Pour cela, pour pas que ça vous arrive la prochaine fois, eh ouais, abonnez-vous, comme ça vous aurez toujours en avant-première chacune de mes vidéos. Maintenant que ça a été dit, eh ben c'est parti, on y va! Bon, la place Émile Landrin, bah, c'est la place qu'on a ici. Pour vous situer, ça, c'est la rue de la Cour des Nous. Ça, c'est la rue des Prairies. Et ça se rejoint ici. Là, ce qu'on voit devant nous, là, les voitures qui passent, c'est bah, le début de la rue des Pyrénées. Et à droite, à 50 mètres, on a la place Gambetta. Pas mal l'emplacement. Pas mal, pas mal. Et donc là, où on va aller maintenant, c'est là-bas. Au bout à l'angle. Au rez-de-chaussée, on a une laverie automatique, si vous voulez vraiment laver des choses un peu plus importantes ou autres, pratique. Mais dans l'appartement, on a une machine à laver. Donc voilà. Là ici, Taran Alimentation Générale, ben, ça c'est assez cool. Et au passage, relais colis, Mondial Relais et point relais colis, quoi. C'est ici que je vais d'ailleurs chercher mes colis. Et on a ici un magasin général, donc ça c'est au bout là, super sympa, avec vraiment des petits gadgets, des trucs vraiment super sympathiques. Et eux ils ont aussi un locker, donc pour tout ce qui est colis, c'est hyper pratique, c'est ici que je viens à chaque fois, depuis chez moi. Allez, maintenant que ça a été dit, ces petites interludes publicitaires pour les voisins, on est parti. Petit sas d'entrée, sympa, donc là c'est ouvert parce que le ménage est en train d'être fait. Boîte aux lettres qui ont été refaites, l'immeuble est super sympa. Et évidemment, on a un interphone. Bonjour monsieur, excusez-moi. Là, on a la cour intérieure. Donc nous, on donne au quatrième étage, ce côté gauche, là. On va y aller. Ici, il y a l'accès aux caves, mais faut que je vérifie. Je ne sais plus si on a une cave ou pas. Là, je fais mal mon travail, hein. Je m'en voudrais pas. Mais ouais, j'ai un doute. J'ai un doute par rapport à la cave. J'ai un vrai doute. Donc, vous verrez par rapport à l'annonce. Et je vous le dirai en vrai quand on se verra pour la visite. Et alors vous voyez l'ascenseur. 3 personnes, 225 kilos. Vous avez vu quand je suis? Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu limité quand même. Hein. Mais il a le mérite d'être là. C'est quand même vachement sympa. Ça m'évite de grimper pour les feignants. Bah, c'est bien. Voilà, on est arrivé. Quatrième étage. Petit coup de lumière. Donc il y a trois appartements sur le palier. Nous, c'est celui de droite. Donc celui qui donne sur la cour intérieure. Celui de gauche donne sur la rue. Et voilà, donc directement le petit interphone, on en a parlé.
Donc l'appartement, vous allez voir, il est vraiment en fait en très très bon état général. On va discuter un petit peu de quelques petites choses qui ont leur importance, puisque vous avez dû le voir. Attendez, je passe en comptable à nouveau. Vous l'avez vu sur l'annonce, le DPE n'est pas bon. On est en DPEG. Normal, on est partout, on est en simple vitrage ou en survitrage. Là, on est en train de réaliser les devis pour pouvoir faire changer les fenêtres. Ça sera réalisé, mais les délais sont très longs pour changer les fenêtres. Une commande de fenêtre, c'est actuellement 12 semaines, 3 mois, voire 4 mois. Donc, il n'est pas possible de laisser l'appartement vide pendant 4 mois, c'est ridicule. Donc, ce qui est prévu, sans qu'il n'y ait absolument aucune augmentation de loyer, même petite diminution en fait, lors des travaux, mais bon, on va faire le ménagement dès maintenant, comme ça vous allez pouvoir profiter de l'appartement, qui est très bien. Le locataire était dedans, il était très content, il est resté pendant 3-4 ans, donc pas de sujet. Et on fera changer les vitres, les fenêtres, pardon. On les fera changer en fonction des disponibilités du nouveau locataire. On fera ça en fait, encore une fois, les fenêtres elles sont changées sur une journée. Enfin, sur un ou deux jours, en fonction des dispos, et on se chargera de cela, donc il n'y aura pas de sujet. Et vous serez dans un appartement du jour en main avec des belles fenêtres double vitrage. Ok? Allez, on y retourne. Donc là, une entrée. Donc on est partout, en fait, 100% électrique. Donc là, on a partout des radiateurs de bonne génération, hein, ces dernières générations. Ça vend pas mal. Là, on a le petit coin avec la machine à laver le linge, le ballon d'eau chaude qui est juste au-dessus, avec un petit rideau devant si on veut pour fermer. Là, on a la salle de bain. Le plan est vraiment pas mal. On a un plan en étoile. Hein. Salle de bain ici, le séjour avec la chambre dans le fond là-bas, le toilette à l'entrée et la cuisine. C'est vraiment pas mal. On va aller à la cuisine. Donc cuisine, bien sûr, on est sur un meublé, donc équipé comme il faut. Frigo avec vrai congélateur. On a un beau four, des plaques de cuisson. On a la hotte. On a du rangement un peu partout. Voyez, c'est pas mal. Il y a évidemment tout ce qu'il faut hein, pour consommer. Cuisiner, petite cafetière, le grille-pain qui va bien. On a un super lave-vaisselle. Bon, ça c'est cool, c'est vraiment tellement rare dans les logements meublés. Vraiment sympa. Là, petit rangement pour les épices, les huiles, tout ça. Là, ici, donc tous les couverts. En dessous, les casseroles qui vont bien. Là, le petit vieux garde-manger, un peu de rangement pour. Bon, là, des petites choses comme ça, mais on pourrait mettre effectivement aussi ici des produits ménagers. Encore du rangement sous le four, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Il y a absolument tout. De toute façon, simple, le propriétaire a fait les travaux. Pour lui, c'était sa résidence principale. Donc évidemment, c'est bien. Et on est partout donc sur la cour intérieure. Donc il n'y a pas un bruit. Vous voyez, donc c'est quand même sympa. Vraiment zéro zéro bruit. Ça c'est super cool. On va continuer, vous allez voir, parce que c'est pas fini. La salle de bain. La salle de bain, elle est. Enfin, salle de douche plutôt. Superbe. Regardez. On a une magnifique douche. Alors, elle n'est pas italienne, parce qu'il y a une micro-marque qui est là. Mais elle est comme. Et franchement, là ici, Royal, elle est vraiment très 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 grande. Là, il y a trois personnes. Même si l'usage de trois personnes dans la douche est un peu moins courant que dans l'ascenseur. En tout cas, là, la douche est vraiment plus grande que l'ascenseur. Bien plus grande. La petite armoire à pharmacie derrière le miroir. On a un beau meuble de salle de bain dans toute hauteur. Alors ça, c'est vraiment bien. Voilà, on peut vraiment ranger plein d'affaires, des serviettes, etc. C'est vachement cool. Pareil, sous l'évier. On a la fenêtre. Une vraie fenêtre, donc ça c'est vraiment bien, l'éclairage, il n'y a rien à dire, y a vraiment rien à dire. La pièce de vie. Donc là, on a un petit canapé qui est là. Je ne l'ai pas testé, mais visiblement, je pense que c'est un convertible en fait, votre petite laque. Ça en a tout l'air. Ouais. Voilà, donc du coup, si vous avez des copains qui viennent, il y a moyen effectivement d'avoir un petit couchage d'appoint ici. La cheminée, alors qu'évidemment pas fonctionnelle, qui sera isolée, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas isolée. Le locataire, d'ailleurs, s'est plaint de cela, c'est vraiment le seul point sur lequel il se plaignait au niveau du froid, c'était ça. Donc il avait mis effectivement devant des choses. Mais en fait, elle va être isolée, on va la fermer. On va la conserver, je pense que c'est quand même beaucoup plus joli, mais on va la fermer. Ok? Table, chaise, tout ce qui va bien. Ici, on a le boîtier fibre et tout. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Là, cette fenêtre va aussi être remplacée. Et là, du coup, la chambre. Donc évidemment, on a tout le lit, on a du rangement sous le lit, parce que vous voyez, il y a des tiroirs, donc c'est vraiment, vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement, il y a des grands tiroirs ici. Il y a la commode qui est à côté. Et de toute façon, on a un dressing avec la seule fenêtre double vitrage qui a été changée. L'ancienne était vraiment très, très, très abîmée, donc elle avait été changée il y a quelques années par le propriétaire. Et là, coin dressing. Voilà, avec du rangement. Bon, là, il y a effectivement la couette, les oreillers, tout ça. Et donc là, toujours pareil, hein, on donne sur la cour intérieure. Donc voilà, pour bosser de chez soi,
Il y a pas un bruit, c'est vraiment super cool. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, vous en pensez quoi? Sympa ce petit deux pièces. Hein? Il est cool. Non, franchement, il est super agréable. Le quartier, il est juste magnifique. Ça, vous le savez, je le dis assez souvent que Gambetta, c'est le meilleur quartier de Paris. Je pense vraiment. Après, je suis peut-être pas objectif parce que j'y habite. Mais si j'y habite, c'est bien pour parce que je trouve que c'est le meilleur quartier de Paris. N'étant pas parisien à la base. Bah écoutez, maintenant vous avez tous les éléments. Hein. Si l'appartement vous a plu en visite, comme il m'a plu à moi, eh ben, je vous invite à regarder ouais, ce qui est à côté de moi. Vous avez toutes les indications pour pouvoir m'envoyer votre dossier. Je vous rappelle. Vous avez toutes les indications pour pouvoir m'envoyer votre dossier. Parce que je vous rappelle, je ne fais aucune visite sans avoir au préalable validé en amont votre dossier en fonction des critères du propriétaire. Ça évitera que l'appartement vous plaise sur place et que je vous dise ah bah désolé, votre dossier il ne convient pas. Votre dossier soit pas retenu, bah, ça arrive évidemment puisque je fais 5-7 visites maximum. Et quand je fais 7 visites, si les 7 apprécient l'appartement et maintiennent leur intérêt, bah, il y en a 6 qui seront déçus. Je serai obligé effectivement de dire non à 6 personnes, j'ai pas le choix, c'est comme ça. En tout cas, ouais, vous ne serez pas en fait 50 dans l'escalier à vouloir venir visiter l'appartement puisque ce dernier il est vraiment sympa. Quartier est super et vous avez pu constater que le prix est complètement en fait, dans les clous vis-à-vis de la législation. D'autant plus que, comme je vous le disais, on va changer les fenêtres. Donc, ça, c'est vraiment en fait, un très gros plus. OK? Donc, envoyez-moi votre dossier et on se voit donc très bientôt pour une visite. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je vous le rappelle, toutes les personnes qui m'envoient un dossier auront une réponse de ma part. Ça ne sert à rien de me rappeler 15 fois, vous aurez tous en fait, un retour de ma part. Quoi qu'il arrive, même si l'appartement est loué, même si le dossier ne convient pas, vous aurez toujours, toujours une réponse. Passez une bonne journée d'ici là, profitez bien, bonne journée, après-midi, soirée, week-end, semaine. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.